35, je travaille en 35 pour deux raisons. Une, c'est une raison de conservation. Je pense que le 35 va se conserver mieux dans le temps et finalement, un film, c'est une œuvre artistique, donc une œuvre qui a l'ambition de perdurer dans le temps. Et l'autre, c'est une question de densité, ce que moi j'appelle la densité, c'est-à-dire que les images telles que je les conçois, les images qui sont fortes, doivent être denses. Et donc, la façon qui est derrière, en fait, la caméra, le négatif, toute la pratique derrière le cinéma de 35, donne, on va dire, une certaine densité qui, si on fait exactement la même pratique, est supérieure à la densité que donne le digital. C'est-à-dire, si on fait la même chose, il y a plus de densité dans un film de 35. Donc, pour faire que une image digitale soit dense, il faut faire quelque chose d'autre, soit en plus. Donc, moi, c'est soit il faut. Parce que moi, je ne vais pas non plus faire une leçon de cinéma, mais je distingue entre ce que j'appelle la mise en scène, ce qu'on fait avec les acteurs, avec d'un point de vue physique, et la mise en cadre, c'est-à-dire comment on filme la mise en scène. Donc, soit on doit donner plus de densité dans la mise en scène, c'est-à-dire une mise en scène bien plus élaborée, soit parce que ça, le jeu des acteurs doit être encore plus élaboré. Tout ce qui est d'un point de vue physique, les figurants, tout doit être en digital. Il doit y avoir un surplus de mise en scène pour compenser cette carence du matériel. Ou bien en post-production. En post-production aussi, on peut ajouter de la densité. C'est-à-dire qu'on peut faire un travail, par exemple, si on avait une image, on peut ajouter des éléments, des nuages, des effets, des lumières, tout ça, ce qui fait que l'image va être plus dense. Mais tourner avec une pratique de 35, avec une caméra digitale, en faisant ce qu'on fait d'habitude, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, et pour ajouter de la densité de la mise en scène, finalement, ça coûte aussi beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Moi, je pense qu'il y a peu de cinéastes qui tournent bien en digital. Moi j'en connais. Par exemple, je suis copain de Wang Bing et lui, il sait comment il faut travailler. Et sa façon de travailler, il tourne des millions d'heures. Il tourne 8 heures par jour pendant un mois, tous les jours. Mais un truc très staccanoviste. Moi, j'ai vu ces roches. Et on regarde ces roches, c'est super ennuyant. Parce qu'il ne se passe rien. Mais pendant 8 heures, un mois, il a, je ne sais pas, 300 heures. Ces 300 heures, il est réduit à 10 heures. Et 280, 10 à la poubelle.